فرهنگ دوستان عزیز به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. امسال ما در 11 سال انجمن هستیم و تا هم اکنون 121 نشست داشتیم، کنفرانس درباره موضوعات مختلف فرهنگی هنری و 508 سمینار زبان فارسی داشتیم اینجا. Alors, très bienvenue à l'association Culture Libre. Nous sommes en 11e année de l'association et jusqu'à maintenant, nous avons eu 121 conférences en thèmes divers et aussi 508 séminaires de la langue persane. نمیدونم با تبریک باید شروع کرد یا با تسلیت. به هر حال این سیل، فاجعه سیلی که در ایران رخ داده برای همه ما خیلی خیلی ناگواره. اول عید نوروز باستانی رو خدمت همگی شما تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی باشه و متاسفانه با این سیل، فاجعه سیل در ایران، ایران رو در غم فرو برد و همه ما سوگوار هستیم. در این ایام شادی نوروزی، میهن عزیز ما در ماتم و عزاداری است. در این هفته فاجعه سیل مخرب شهر شیراز و چندین مکان دیگر را کاملا خراب کرد و متاسفیم که جان بسیاری از هممیهنان ما جان سپردن و خیلی زیاد زخمی هم داشتیم. ما با مردم ایران همدرد و در غم آنها شریک هستیم. Alors, d'abord je voudrais parler de Nowruz, notre nouvel an. C'est une fête nationale et c'est une fête très ancienne de l'Iran. Mais en même temps, on a un malheur en Iran, inondation meurtrière en Iran. L'Iran est en deuil. Cette semaine, des inondations interviennent en pleine période de fête, l'Iran célébrant le nouvel an persan. Nous sommes très tristes, il y a beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Condoléances aux familles des victimes. Alors, comme vous savez, Nowruz, c'est le premier jour du printemps. Et c'est une fête nationale de l'Iran et en même temps, c'est une fête internationale. Nouvelle année iranienne, Nowruz est la plus ancienne des traditions iraniennes, perses. Cette fête rappelle le temps de l'Iran de la mythologie, l'Iran de Ahura Mazda, l'Iran du dieu lumière, du dieu soleil et dieu du feu. Nowruz, qui signifie la nouvelle année, commence le premier jour du printemps et premier jour de l'année, qui est normalement le 20, 21 ou 22. Le passage à la nouvelle année se fait exactement au moment de l'équinoxe vernal du printemps. La fête est célébrée par certaines communautés le 21 mars ou par d'autres le jour de l'équinoxe vernal qui a lieu le 20, 21 ou 22 mars. Comme vous savez, le mot Nowruz, c'est un mot qui vient de l'avestique Nova, ça veut dire nouveau, et Ruz, ça veut dire jour. Donc, Nowruz, برای ما ایرانیان خیلی خیلی مهمه چون یک جشن طبیعت است. درست ثانیه‌ای که کره زمین به دور خورشید میچرخه همون ثانیه
برای ما تحویل سال هستش و کاملا عیدهای ما با طبیعت و شادی همیشه آمیخته بوده. Alors ce soir, on a l'honneur de vous présenter Monsieur Reza Afshar Naderi. Monsieur Reza Afshar Naderi, il va parler en français, il va parler de son livre. Et son livre s'appelle L'histoire d'un mythe, le forgeron dans le livre des rois de Ferdowsi. Alors, très brièvement, je vais lire une bibliographie de M. Reza Afshar Naderi. Reza Afshar Naderi est un écrivain, poète et traducteur. Il est titulaire d'un doctorat de littérature persane obtenu à l'Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Il a publié différents ouvrages sur la culture iranienne, dont une anthologie de poètes contemporains. Aube Nouvelle, poète libertaire d'Iran. Un livre consacré au mythe du forgeron dans le livre des rois de Ferdowsi, Shahnameh. Un recueil de poèmes, Ce jardin, tu en es l'air. Avec un monsieur Hassan Makarami et un numéro spécial de la revue Rive Neuve Continent en tant que co-rédacteur en chef intitulé Nouvelles lettres persanes. Ces poèmes ont été publiés dans différentes revues littéraires françaises. Et il donne régulièrement des conférences pour établir des ponts culturels entre la France et l'Iran. Alors, je voudrais vous dire qu'on a eu une fête de pré-Nowruz le 14 mars. C'était au pavillon de l'eau. Et c'était organisé par mes deux filles, Niusha et Ariane Bayot-Marcou, et on a eu plusieurs intervenants, et d'excellentes interventions, et on a eu la danse, chant et un marché de Nowruz, donc c'était très très bien passé, grâce à vous, grâce aux gens qui sont intéressés par notre culture persane. Alors, je voudrais inviter M. Afshar Naderi. Eh bien, merci, cher Noridé, de m'avoir invité pour la présentation de mon nouveau livre, consacré au mythe du forgeron dans le livre des rois de Ferdowsi. J'ai gardé un très beau souvenir de la fête que vous avez organisée pour Nowruz, qui était absolument magnifique, avec l'intervention de nombreux artistes. Et alors, comme vous venez de le dire, nous avons eu de grands moments de bonheur auxquels ont succédé malheureusement en ce moment des moments de tristesse et de chagrin avec les événements que vous savez, c'est-à-dire les inondations sans précédent qui ont envahi l'Iran depuis 10 jours. Et là, on est dans un phénomène qui est proche du tsunami, en fait. Ce sont 25 provinces sur 31 provinces de l'Iran qui sont touchées, et y compris des régions arides, des régions du sud ou de l'ouest. Et juste avant de venir, parce qu'en Iran, nous exprimons par la poésie. C'est dans notre ADN, c'est dans notre nature. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive un poème. Grâce à vous, j'ai eu l'occasion de présenter un poème de 172 vers lors de cette fameuse soirée de Nowruz. Et pour ce soir, j'ai écrit un court poème pour exprimer notre chagrin.
devant cette catastrophe. Et ce poème, je l'ai intitulé « Triste Nowruz, 1398 ». Nos cœurs transportés par la nouvelle année, nous avions nos âmes ravies par le printemps, nos esprits réjouis par l'aube d'un nouveau temps, déjà par de beaux rêves, ci et là promenés. C'était sans compter sur les malédictions, sur notre terre chérie sans cesse venant s'abattre, hier la sécheresse qu'il nous fallait combattre, aujourd'hui un déluge versant sur la nation. Le fléau est venu des quatre coins d'Iran, au sud se trouve noyée la terre du Khuzestan, à l'ouest engloutie, voici le Lorestan, les villes et les villages endurant et pleurant. Ô mes femmes de Caspienne, jusqu'où peut porter l'œil, sont frappées d'effroi. À l'est, les Turcomans, juchés sur leurs canaux, maudissent ce moment. Nowruz, pour longtemps, emportera le deuil. Et donc, c'est un poème que j'ai écrit en souvenir d'un nouvel an funeste. J'espère que le plus tôt possible, ce fléau va s'arrêter et que nos compatriotes pourront enfin panser leur plaie. Suite à cette récitation un peu triste, je voudrais à présent proposer quelque chose d'un peu plus gai, avant de commencer ma présentation. Lors de notre soirée de Nowruz, j'ai lu un poème de 172 vers, un poème épique qui a duré 15 minutes. 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, pas une seule sonnerie de smartphone. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais en même temps, j'avais un secret, puisque juste avant de commencer ma lecture, j'avais récité tout doucement en moi-même une prière de l'Avesta pour éloigner le prince des ténèbres, Ahriman, parce que je me dis que Ahriman essaye par tous les moyens de troubler notre quotidien et qu'il est derrière ces sonneries violentes, brutales, qui interrompent des moments de communion, d'échange, la musique, la poésie. Et donc ça a marché finalement pendant 15 minutes, c'est extraordinaire, il n'y a pas eu une seule sonnerie de smartphone. Et donc ce soir, je vais vous réciter cette prière de l'Avesta, en me disant que peut-être aussi ce soir ça va marcher et on n'entendra pas une seule sonnerie de smartphone suscitée par le prince des ténèbres, Ahriman. Donc c'est, alors je précise que c'est la prière la plus connue de la religion zoroastrienne qui s'appelle Ahuna Vairya. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière. C'est comme le Pater Noster des chrétiens, c'est comme notre Charodat. La Eloha Illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est l'équivalent dans la religion zoroastrienne, et donc les jeunes enfants apprennent ça par cœur quand ils donc embrassent cette religion, et on l'utilise, c'est une sorte de talisman pour protéger n'importe quelle personne en détresse. Donc je ne suis pas en détresse, mais je le saurai si j'entends résonner un smartphone, et donc je vais le lire pour être protégé par Ahura Mazda. Alors la prière est la suivante. Yatha Ahu Vario atoratush asha chihasha vangeush dasda manango shautananam mangeush mazdai kshatrencha ahurai ayim digubio dadat vastare. Donc ça c'est la prière, on va voir si Ahriman va essayer quand même de perturber notre soirée. Le livre du forgeron. Alors, le livre que j'ai écrit, le thème sur lequel j'ai travaillé concerne le mythe le plus patriotique de la culture iranienne. Le mythe de Kaveh le forgeron. Depuis 10 siècles, on s'y réfère, mais ce mythe a des origines encore plus anciennes, beaucoup plus anciennes que l'époque où il a été écrit, beaucoup plus anciennes que le 10e siècle. C'est un mythe essentiel de la culture persane. Et alors, je
précise au passage qu'il est un nom que je dois citer, à qui il faut rendre hommage, c'est Jules Moll, un chercheur, un scientifique qui a traduit la totalité du Livre des Rois en français. Depuis, ça n'a jamais été fait, c'est la seule traduction en français dont on dispose. Alors, par ailleurs, en France, il y a eu peu de travaux ou de publications sur le Livre des Rois ces dernières années, et c'est assez surprenant, d'une part, parce que c'est l'ouvrage essentiel de notre culture, c'est l'ouvrage fondamental de notre culture. Il est peu connu, peut-être parce qu'il n'a pas été traduit en poésie. Il a toujours été traduit en prose. Et vous connaissez la puissance de la poésie, de Faible aussi, mais toute la difficulté de sa traduction, et c'est que c'est un texte qui est simple et puissant. Et c'est toute la difficulté de le reproduire en français dans une poésie qui soit simple, dotée de la même puissance. Alors, ce livre, il comporte 270 pages. Je suggère à ceux qui ne se sentent pas une âme de chercheur, pour une première lecture, de ne pas lire. Vous pouvez ignorer les citations. Vous pouvez lire sans les citations. Je pense que Ahriman a frappé à l'extérieur. Donc, il n'est pas très loin. Heureusement que j'ai récité la formule. Et donc, en un premier temps, vous pouvez ne pas lire les citations, juste lire le texte. Mais par contre, il ne faudrait pas manquer les vers du chant renommé qui sont reproduits et que j'ai transcrits en phonétique. C'est-à-dire que les francophones, ça pourrait les intéresser parce qu'ils vont trouver la transcription phonétique en français. Et c'était un travail énorme de reproduire tout ce texte en phonétique en français. Alors, la composition du livre, il y a une première partie qui est dédiée à la complexité de l'artisan des métaux. L'artisan des métaux, c'est quoi? Quelle est la figure? Qu'est-ce qu'il représente dans une société? Et donc, vous allez voir qu'il avait une place à part, une place essentielle dans les plus anciennes civilisations. La deuxième partie, c'est toutes les occurrences du chant renommé. Partout où dans le Livre des Rois, il a été question de l'artisan, du travailleur du métal, je l'ai mentionné. Donc j'ai lu tout le Livre des Rois pour relever toutes les apparitions de la figure du forgeron. Donc c'est énorme, le Livre des Rois, vous savez, il fait aux alentours de 120 000 vers. La troisième partie, est consacrée à Kove le forgeron. Donc c'est le cœur, c'est le noyau du travail. Et donc le forgeron légendaire, le forgeron mythique, et son rôle dans les tout premiers chapitres du Chorne. Parce que Kove apparaît tout au début du chant. Donc c'est un mythe essentiel, c'est un mythe fondateur. Et pour finir, donc il y a une partie à la fin du livre où se pose la question de savoir est-ce que Kove c'est un mythe ou est-ce qu'il y avait derrière ça une existence historique. Donc c'est une tentative d'explication que j'ai menée à la fin de cet ouvrage. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Les Iraniens connaissent tous le mythe de, je pense, le mythe de Kove le forgeron. Mais je vais d'abord dire quelques mots de la figure polyvalente de l'artisan des métaux qui est complexe. Le forgeron ancien, le forgeron des sociétés primitives, il crée les armes et il crée les outils. Donc il crée les engins de mort, les armes, et il crée les engins de vie, les outils, qui permettent de cultiver la terre, qui permettent de se nourrir. Donc il donne à la fois la vie et la mort. Et à ce titre, c'est une figure qui est crainte, qui est respectée. Et c'est donc un créateur, un démiurge. Il se situe entre les artisans du métaux, il se situe entre le fondeur, c'est-à-dire celui qui va extraire le métal du minerai. Donc, il sort, il fait accoucher, on dit il fait accoucher la terre. Il fait accoucher la terre du métal. Ensuite, le forgeron donne la forme au métal. Et après, c'est l'alchimiste. Alors l'alchimiste, c'est encore autre chose, c'est celui qui va essayer donc, de trouver la pierre philosophale grâce à laquelle on peut transformer tous les métaux en or. Entre ces deux-là, il y a le forgeron. Le forgeron maîtrise le fer et le feu. Donc, il est craint, il est respecté, c'est un élu. Dans les sociétés anciennes, c'est un sorcier, c'est un prêtre, parce qu'il sait travailler avec des matières qui sont sacrées. Le fer, le feu. Celui qui sait travailler le fer, donc c'est une personnalité qui est hors norme, hors du commun. Dans les sociétés primitives, donc c'est un héros civilisateur.
Et c'est ça qui va me permettre de faire la transition maintenant avec le livre des rois, parce que héros civilisateurs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux qui sont intervenus, donc l'élite en l'occurrence, dans la mise en place des débuts de civilisation. Alors quand vous ouvrez le char nommé, les premiers chapitres du char nommé sont consacrés aux rois pishtadiens, les premiers rois, les rois de l'origine du monde. Le char nommé, le livre des rois, raconte l'origine du monde, l'origine de l'Iran. C'est la même chose. Hein. Le char nommé, l'origine du monde, l'origine de l'Iran, c'est la même chose. Et les questions des tout premiers rois qui ont apporté la civilisation. Et donc, d'où le tableau que vous voyez derrière vous, les schémas que vous voyez derrière vous. Alors, il est question, dans les premiers chapitres, des premiers rois, qu'on appelle, pour du champ en épichdordi, les rois pichdadiens. On va voir ensemble cette généalogie. Vous avez, de ce côté, les noms en persan, et cette colonne en avestique. Le même nom en avestique. Alors, les rois pishtadiens, donc les premiers rois, en avestique, ça donne para dota. Para, ça veut dire avant. Dota, ça veut dire donner. Dodé. Le persan, c'est l'équivalent. Et comme, en l'occurrence, le persan et le français, ce sont des langues indo-européennes, vous avez le mot data, aujourd'hui même, au XXIe siècle, qui signifie donner. On dit big data, donc ce sont des données globales. Donc, para dota signifie donner avant. Les rois donnés avant. Alors, c'est-à-dire quoi les rois donnés avant? C'est-à-dire ceux qui sont venus en premier, avant les civilisations. Paladota. Et ça a donné Pishdod, Pishdodion, Aspishdod et Chodé. Voilà, les premiers rois. Donc, les premiers rois civilisateurs, alors qui sont ces rois? Le premier roi s'appelle Kiumas. Alors, ce roi, Kiumas, a régné pendant 30 ans. Le premier roi de l'histoire. Dans l'histoire du monde. Il a régné pendant 30 ans. Son nom en avestique, c'est Gayamaretan. Gayamaretan signifie... Quelqu'un le sait? Alors, Maretan, ça correspond à mortel. Mordan. Hein, donc c'est ça l'origine du mot. Et... Gaïa signifie la vie, Gaïa, Maretan signifie mortel, la vie mortelle. Ça veut dire le premier mortel, le premier être mortel qui est venu sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme premier civilisateur? Il a été le premier à pratiquer la justice, il a apporté la justice sur terre, il a enseigné aux hommes à s'habiller et à se nourrir. Donc ça, c'était la fonction du premier roi civilisateur, le premier Pishtoni qui a régné 30 ans. Ensuite vient Hushang, le deuxième roi. Hushang, en avestique, ça donne Haoxianha. Haoxianha, qui signifie le bon choix. Et c'est deux. Donc ce mot Hushang, donc si vous avez, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a une jolie copine, puis vous lui dites, bah, tu as fait un Hushang. Il va dire, non, c'est un mon garçon. Il dit, non, Hushang, ça veut dire bon choix. Tu as fait le bon choix. Haoxianha. Donc c'était un roi qui était bien choisi. Et il a régné pendant 40 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maîtrisé le feu, il a appris à tirer les métaux de la pierre, et il a inventé l'art du forgeron. Alors, vous voyez que, là, ça devient intéressant, parce que j'ai travaillé sur le métier du forgeron, le premier être sur terre à maîtriser le travail du fer et du feu, c'est un roi. Donc, il y a déjà une différence par rapport aux sociétés primitives. Donc, c'est un roi dans cette lignée-là. Et vous comprendrez pourquoi donc, j'insiste sur cette étape-là. C'est un roi, Pishdodi, qui enseigne le premier le travail du métal. Après, vous verrez qu'il est considéré dans le livre des rois que ceux qui connaissent les techniques, qui apportent les techniques aux hommes, sont des sens supérieurs. Donc, ce sont des rois. Vient ensuite Tahmuras. Tahmuras, il va régner 30 ans. Tahmuras, en avestique, c'est Tarma Orupa. Tarma Orupa. Tam signifie, alors vous allez peut-être pouvoir me dire, vous connaissez
le personnage le plus puissant, le plus célèbre, le champion, le Hercule iranien, qui s'appelle Rostam. Et quel est son surnom, son titre? Tahamtan, c'est le surnom de Rostam. Tam, ça veut dire puissant. Donc Tahamtan, corps puissant. Donc Tamaroupa, donc c'est dérivé de ce nom. Et donc c'était le nom de Tamouras en Avesti, qui signifie aussi corps puissant, Urupa c'est corps, Tam c'est puissant. Alors Tamouras, il a régné 30 ans. Il apprend aux hommes l'art de filer et de tisser des tapis. Il domestique les amis. Ça c'est la fonction de ce roi Kishtog. Alors, dans sa vie, il se passe quelque chose. Un jour, il est en promenade, il attrape un gramagnou. Un gamagnou en avestique, c'est Ahriman, le roi des démons. Il l'attrape et il saute sur son dos et il lui fait faire le tour du monde. Voilà. Donc il fait un tour du monde gratuit sur le dos de Ahriman. Et pendant qu'il est en voyage, il voit que sur Terre, il y a les divs, les daivas, les démons qui mettent la pagaille. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vite, il le fait descendre. Il dit, bon, j'arrête mon voyage et puis... alors les démons mettaient la pagaille partout, et alors il prend les armes pour les repousser, il capture les deux tiers des agresseurs, et le tiers restant, il les assomme avec une massue à tête de bœuf. Quand vous regardez les manuscrits du Shahnameh, c'est une scène qui revient très souvent. Tahmouras terrassant les divs, c'est une figure que vous voyez souvent dans le Shahnameh du Shahtamos, le Shahnameh de Bois et son rôle, et les Shahnameh les plus célèbres et les moins célèbres. C'est une scène qui revient souvent. Vous voyez les divs qui prennent des coups dans la tête et sont en train de les assommer avec sa massue. Donc, il tirasse les divs, donc un tiers, et puis reste les deux tiers. Alors, les deux tiers, il va aussi s'occuper. Il dit, attends, on te propose un marché. On te propose un deal. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, donc si tu nous laisses la vie sauve, on va te livrer un merveilleux secret. Alors, il dit, allez-y, si ça vaut le coup, je vous laisse la vie. Et en échange de la vie sauve, on va t'apprendre à lire. On va t'apprendre à lire. Tu vas devenir donc un garçon savant. Il accepte, il les épargne, et c'est comme ça qu'il devient un homme sage et érudit et que les hommes parviennent à la connaissance. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut noter. Vous voyez que ces rois, leur mission dans le livre des rois, c'est prendre de force le savoir. Ils arrachent les matières de la terre, ils assomment les divs. C'est comme si des pouvoirs, ces entités venues d'en haut allaient arracher de force tout ce qui peut correspondre à la civilisation. Hein, c'est la fonction qui est donnée à ces rois, parce que ceux qui ont le savoir, c'est les divs. Et les divs, c'est quoi? Les divs représentent la matière. C'est les créatures de la terre. C'est les créatures de la terre. Alors que les dieux, les pishtoniens, sont en relation avec le ciel, avec l'esprit. Hein, avec les puissances d'en haut. Donc, dès le début, on y a compris ce scénario, et des créatures qui sont en relation avec le monde d'en haut, qui se battent avec les créatures qui sont en relation avec le monde d'en bas, pour leur prendre le savoir de force et le donner aux hommes. C'est ce qu'on déduit donc, de ces premiers chapitres. Et alors, quand vous regardez les manuscrits et les miniatures du Shahnameh, vous voyez la représentation des livres, comment on les représente. Alors les divs, donc ils représentent les forces obscures de la terre, ils sont poilus, ils ont des cornes, ils ont des crocs, ils ont des griffes. Je suppose qu'ils sentent mauvais, mais ça on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir dans le manuscrit. Et le pouvoir des dieux qui viendront, et c'est de leur arracher ce savoir. C'est la lutte entre l'esprit et la matière. Ensuite, Jamshid. Le roi suivant, Jamshid, il va régner plus longtemps, il va régner 700 ans. Jamshid, en avestique, se dit Yimar Shaeta. Yimar Shaeta signifie pur et lumineux. Pur et lumineux. Jamshid fait fabriquer des armes, donc il apprend à tisser des étoffes, il apprend aux hommes à construire des maisons et des vaisseaux. C'est un bâtisseur. Alors, il a une particularité, ce Jamshid. Il dit, maintenant, il faut organiser la société.
c'est pas tout de savoir comment faire, etc. Ah oui, j'oubliais, il découvre les métaux et les pierres précieuses, les parfums, les remèdes. Il organise la société en quatre castes. Il dit, attention, il ne faut pas se mélanger. Tout le monde n'est pas pareil. Hein? C'est comme Macron, il dit, voilà, il y a les énarques, donc il y a ceux qui ont fait école normale, et puis après, il y a les gilets jaunes qui sont en bas, les ploucs, etc. Donc on ne mélange pas. Il organise la société en quatre classes, castes. D'abord, tout en haut. Alors, en haut, il y a lui. Hein, on dit le roi, tout puissant. Je suis à la fois militaire et je suis prêtre. Donc lui, il réunit tous les pouvoirs. Donc dans cette pyramide, en haut, se trouve la caste de ce qu'on nomme en Moussion. En Moussion, alors dans le chant nommé, il est dit sache qu'ils sont voués aux cérémonies du culte. Donc c'est les prêtres. C'est les prêtres. Il les sépare du reste du peuple. Il dit voilà, vous. On va vous payer, pas de problème, vous allez avoir votre salaire, et vous allez dans les montagnes pour adorer Dieu. Ah, vous avez un salaire, ça va tomber tous les mois, et vous allez adorer Dieu, c'est votre travail. Prusse consacre à la religion et se tenir en méditation devant Dieu le lumineux. De l'autre côté, se plaça une caste à laquelle fut donné le nom de Nisorion. Nisorion. Ce sont eux qui combattent avec le courage des lions, qui brillent à la tête des armées des provinces, qui ont à défendre le trône du roi. Donc les CRS, ça. Et maintenir la gloire que donne la bravoure. La troisième caste porte le nom de Nesoudi. Ils ne rendent hommage à personne, ils labourent, ils sèment, ils récoltent, ils se nourrissent des fruits de leurs travaux. Donc eux, ils n'ont pas de salaire, contrairement aux prêtres, débrouillez-vous, donc il y a la terre, vous travaillez la terre et vous vous nourrissez de ce que vous récoltez. La quatrième caste est celle des Obnuchushi. Alors les Obnuchushi, c'est vraiment le bas de, c'est le bas de l'échelle sociale, qui sont actifs pour le gain et pleins d'arrogance. Les métiers sont leur occupation et leur esprit est toujours en souci. Voilà, ils sont toujours en galère. Il assigna à chacun la place qui lui convenait et leur indiqua la voie pour que tous comprissent leur position et reconnussent ceux qui étaient au-dessus et ceux qui étaient au-dessous d'eux. Que chacun sache bien où se trouve sa place pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Après, mais alors, ce qui se passe avec Jamshid, c'est que, donc c'était un roi tout puissant, il a vécu 700 ans, et à un moment donné, il a la grosse tête. Et là, ça pose un problème, parce qu'il pense que, voilà, il veut, comment on dit, venir calife à la place du calife. Il dit, moi, je suis le plus fort, je suis le plus grand, même au-dessus de, donc, du roi tout puissant. Il conçoit de l'orgueil. Il conçoit de l'orgueil, et quand il conçoit de l'orgueil, la grâce divine. Alors, c'est la première fois que je retiens ce nom, c'est très important. Fariasdan, Farizadi, se retire de lui. Quand il se prend la grosse tête, le phare qui est en lui, hop, il bat la tête, il s'en va. Il se retrouve complètement largué, hein, il bascule du côté sombre de la création, comme Dark Vador. Hein, il bascule du côté sombre de la création, il devient complètement. Il perd tout son pouvoir et l'Empire sombre dans l'anarchie. L'anarchie totale. Et les guerriers de l'Iran disent c'est pas possible, on ne peut pas continuer avec un roi pareil, on va chercher un autre roi. Et c'est là où les malheurs de l'Iran commencent. Donc, ils vont chercher un roi qui s'appelle Zarok. Bien, qui s'appelle Zarok, donc qui vient de l'Ouest. Qui vient de l'Ouest, donc on dit qu'il vient du côté de Babylone. Donc du pays des Arabes. Hein, donc là, on retrouve toujours le même scénario, hein, on connaît. Et donc, ils vont chercher ce monsieur Zarok, il dit, voilà, tu veux venir notre roi. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il fait? Zarok, il finit par attraper Jamshid, et il le fait couper par le milieu. Ça aussi, c'est une scène que vous retrouvez beaucoup, beaucoup dans les manuscrits du Shornamé. C'est beaucoup reproduit. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, vous ferez attention la prochaine fois, si vous tapez sur Internet, Jamshid coupé en deux, scié en deux, parce que c'est réussi. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il est coupé vertical. À la verticale. Je me suis dit, mais comment ça se fait? De Jamshid. Oui, non, oui, c'est ça. Alors je me suis dit, pourquoi ils ne font pas par le milieu, ça va plus vite? Mais je me suis dit, mais ça, c'est parce que les Iraniens sont des artistes, et ils se sont dit, on va couper comme ça, on a deux belles moitiés pareilles. On a le Nazdi Iranian Astovas, l'art et le propre des Iraniens, on va le couper par le milieu, on aura deux belles moitiés.
Et ça, vous voyez, donc, c'est souvent la représentation qu'il y a dans les miniatures. Et donc, on arrive au règne de Zarok. Zarok, alors, les Iraniens, ils vont en prendre pour un siècle. Ils vont en prendre pour un siècle dans la figure, ils vont en baver pendant 1000 ans. Le règne de Zarok dure 1000 ans, c'est la créature du démon. On dit que c'est le fils de Ahriman, le prince des démons. Dans le chant nommé, s'écrit Eblis. Ils utilisent le nom arabe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Eblis? Donc, Eblis lui a posé un baiser sur chaque épaule, à Zarok, et de chaque épaule a surgi un serpent. Après, la situation est assez tragique parce qu'il est obligé chaque jour de nourrir ses serpents, chaque serpent avec une cervelle d'un jeune homme, d'un jeune persan, sinon les serpents se retombent contre lui et les serpents le mettent à mort. Donc, pendant mille ans, on sacrifie tous les jours deux jeunes persans pour donner leur cerveau à manger par ces serpents. Et le monde sombre dans le chaos pour de bon, mais va apparaître. Alors, donc le nom de Zarok en avestique, c'est Ojidaroka. Ojidaroka, dans l'Avesta, il est représenté sous cette forme. Oji, ça veut dire serpent. Daroka, il y a différentes interprétations du nom. Ça peut signifier qui mord ou qui brûle. Voilà, donc ça c'était pour Zarok. Et un vengeur apparaît en la personne de Feridun. Feridun est le petit-fils de Jamshid. Il y a Jamshid, il y a Optin, après il y a Feridun. Donc c'est le petit-fils de Jamshid qui va prendre sa revanche. Alors, il a réussi à prendre la fuite, donc il est tout jeune, un jeune prince, il a pris la fuite dans la montagne, et c'est là où intervient Kovel. Kovel, le forgeron, c'est là où il fait son entrance. Vous voyez, on est vraiment tout au début du chant nommé, hein, vraiment les tout premiers chapitres. Et ce pauvre Kovel, ses 16 fils avaient été arrêtés, mis à mort, pour nourrir les serpents qui étaient sur les épaules des arbres. Il lui restait un fils. Alors il n'en peut plus, il se rebelle, il va alors je vous épargne, c'est plus long que ça, mais je vais abréger. Ils se rendent au marché, il harangue le peuple, il dit il faut se soulever contre le tyran, et il prend son tablier qui est en cuir, le tablier de cuir du forgeron sur lequel on mettait le métal pour tabler, il le met au bout d'une lance comme un signe de ralliement. Il dit ceux qui veulent le retour donc des rois pishtodiens, ceux qui veulent que Feridun vienne sur le trône, ceux qui veulent qu'on chasse Zarok, vous me suivez, vous signez, vous suivez, c'est un signe. Hein. Et ça leur sert de drapeau. Donc ce tablier en cuir qui était posé à la pointe de la lance va leur servir de drapeau et tout le monde se reconnaît. Alors, vous voyez, quand il y a du monde, vous avez des touristes chinois et puis il y a la dame qui tient un parapluie, ça, c'est pareil. Donc dans le bazar, tous les gens qui voient la pique avec au bout le tablier de forgeron, ça devient un drapeau improvisé et ils décident tous ensemble d'aller chercher Feridun, d'aller le chercher et lui dire on est avec toi, on va renverser le tyran. Alors quand Feridun voit arriver donc, tout ce peuple avec le forgeron au devant avec ses piques et c'est une sorte d'étendard, il décide que de cet étendard improvisé, il va faire le drapeau national de l'Iran. Ça va être le drapeau national, parce que c'est ce qui a mobilisé le peuple. Et il va l'appeler Delafshe Kioni, Delafshe Kobioni. Delafshe. Alors, toujours, le français et le persan, c'est la même origine des langues indo-européennes. En sanskrit, ça donne le mot drapcha. Drapcha, drapeau. Delafshe, drapeau. Donc, Delafshe Kobioni, l'étendard national, et tout le peuple est ameuté, ils vont renverser Zarok, et donc vous savez ce qu'on lui fait après. Vous n'avez pas bien étudié votre chant, non, mais ils vont l'emmener sur le mont d'Amovind. Ils vont l'emmener sur le mont d'Amovind, ils vont rentrer dans une crevasse, dans une grotte,
parce que Falidoun voulait le tuer. Il y a un ange qui apparaît, il dit non, non, je pense que c'est Soulouche, il dit non, non, il ne faut pas le tuer, tu vas l'enchaîner dans la montagne d'Amorvan, qui est le volcan légendaire de l'Iran, le plus haut sommet de l'Iran. On l'enchaîne. On l'enchaîne jusqu'à la fin des temps. Et on dit que quand Damanvag entre en éruption, c'est-à-dire que Zarok est en train de secouer ses chaînes. Ça, c'est la légende. Et puis vient le règne de Feridun. Feridun, qui dans l'Avesta se nomme Thraetaona. Dans l'Avesta. Et Feridun va régner 500 ans. Il a trois fils, Ilaj, Salm, Touf. Et un jour, il veut les mettre à l'épreuve. Il dit, je vois ce que valent mes fils, et il connaissait l'art de la magie, il se transforme en dragon. Il apparaît devant ses trois fils qui se baladaient sur leurs chevaux à la campagne pour voir comment ils vont réagir. Le premier, Salm, qui était un peu heureux, il tourne le bride et il galope et il fonce dans l'autre sens et il se sauve. Le deuxième, Tour, qui était une brute, il sort tout de suite son épée et veut rentrer dedans. Le troisième, Ilaj, engage la conversation avec le dragon. Il dit, écoute, nous, on est les fils de Feridun, qui est le fils de Hoptin, qui est le fils d'Aral, et les Pishtadiens, on est d'origine divine, en plus on est trois, t'as peu de chance de t'en sortir. Alors, il vaut mieux que tu abandonnes, tu passes ton chemin, voilà, tu passes par là, on oublie cette histoire. Et donc, Feridun, qui s'est échangé en dragon, il dit, tiens, celui-là, il sort du lot, il est différent des autres. Et c'est ce qui détermine le choix qu'il va faire de l'héritage, c'est-à-dire les pays qu'il va léguer après sa mort à chacun de ses fils. Et voilà comment donc, ça se répartit. Alors, je vous lis le passage en persan. « Chushorin chenindi keldorin char, kazu ilajasho nabot ich bar, yekiru mochavar digar turkuchin sebom dash te gordon iron zamin. » Premier pays qu'il va léguer, Rumochavar, donc le pays de Rome, Byzance, là donc à Proche-Orient, ensuite l'autre, le pays des Turcs et de la Chine, donc l'Asie centrale, et puis le plus beau, le plus prospère, au milieu entre les deux, donc le pays d'Iran. Au trouillard, au peureux, à Salm, il va donner Rome et Byzance, à celui qui a envie de se bagarrer, donc il va dire, voilà, donc là c'est des déserts, c'est des steppes, tu vas aller là-bas, tu vas te bagarrer avec qui tu veux, et le plus prospère, celui du milieu, il va le donner à Ilaj, et bien entendu, ça va susciter la jalousie. La jalousie, c'est vrai, ils ont dit, donner le plus beau à Ilaj, c'est insupportable. Et ils vont tout faire pour le mettre à mort, et ça va marquer le début d'une longue série de guerres. Vous savez, les ennemis héréditaires, c'est à l'ouest les Romains, à l'est, les Turcs, les Touraniens. Voilà. Et on entre à ce moment-là dans la période légendaire. On sort du mythe, on sort dans la légende. La légende se trouve entre le mythe et l'histoire. Et mais je vais revenir à la figure de Kaveh, parce que c'est quand même ça ce qui nous intéresse. On apprend que donc il est à l'origine d'une insurrection populaire. Et grâce à lui, Feridun prend le pouvoir. Mais est-ce qu'il est bien dans son rôle? Parce que vous voyez, donc là vous voyez Kaveh. C'est un peu enfantin, mais c'est juste pour pouvoir se représenter. Donc il tient cet étendard qui est devenu l'étendard national. C'est une sorte de Spartacus, une sorte de révolutionnaire. Mais est-ce que c'est bien son rôle de faire la révolution? Parce qu'il a un autre rôle dans les sociétés anciennes. Et il faut savoir que dans l'imagination primitive, les peuples, ils interprétaient les phénomènes cosmogoniques autour d'eux, qu'il est dépassé, il voit dans le ciel, il y a des planètes, il y a le jour, il y a la nuit, et il y a la nuit, il y a le chaud, le froid, les étoiles, des tas de choses qui les dépassent, ils ne comprennent pas. Hein, il n'y avait pas de navette spatiale, donc il n'y avait pas tout ce dont on dispose. On essaye de donner une logique humaine à tout ça. Et il y a un phénomène en particulier qui intrigue beaucoup les humains, c'est le phénomène de l'orage. Le phénomène de l'orage, vous savez que donc, la vie dépend de la pluie. Quand il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Quand il n'y a pas de sécheresse, ben, on meurt, on n'a pas de quoi manger. Et il arrive au moment où la sécheresse s'installe dans les sociétés primitives, la terre ne produit plus, la faim menace les populations, et tous les regards sont tournés vers le ciel. Quand est-ce que la pluie va tomber?
Et puis, un jour, il voit que le ciel s'obscurcit. Il y a des nuages qui se... Les nuages deviennent noirs. Des gros nuages qui deviennent noirs. Le monde est plongé dans les... vous voyez, quand les nuages deviennent très sombres, tout le ciel devient sombre, gris, couleur acide, et ça. Et le ciel devient menaçant. Alors, ils sont pris de panique. Et puis, qu'est-ce qu'ils voient aussi? Il y a des éclairs, il y a des tonnerres, il y a des explosions dans le ciel. Tout le monde entier est illuminé suite à un coup d'éclair. Ils sont frayés. Ils se disent qu'il y a des gens qui se battent là-haut. Il se passe des choses, des phénomènes absolument extraordinaires. Et donc ça a des airs de bataille céleste. Ils se disent que là-haut, il y a des géants ou des dieux qui se font la guerre. Ils essaient d'interpréter ça. Et puis, il y a là, ce qui apparaît. Donc, c'est la foudre. Et puis après, à un moment donné, la pluie finit par tomber. Et ils se disent que ces nuages noirs qui retenaient les pluies ont été percés par les éclairs. Et c'est comme ça que la pluie a été libérée. C'est comme ça que la mentalité primitive, l'imagination primitive, interprétait ce genre de phénomène. Alors, pour aller plus loin, normalement c'est de la météorologie, mais dans l'imagination primitive, ils imaginent que c'est un dragon. Ces nuages noirs, ils imaginent que c'est un dragon qui retient. C'est pour ça que j'ai dessiné le petit dragon, là, en forme de nuage. Que c'est lui qui retient les eaux de pluie qui provoquent la sécheresse. Et en face, ils se disent qu'il y a un dieu solaire, parce qu'après, quand la pluie est tombée, le soleil revient, le beau temps revient, et ils se disent que le vainqueur, c'est le soleil, parce que le vainqueur reste en place, les nuages noirs disparaissent. Donc c'est le soleil qui a abattu le monstre qui retient les eaux de pluie. Et ce monstre, en général, on le représente sous forme d'un monstre ophidien. Un monstre ophidien, c'est en forme de serpent. On dit que c'est un serpent. Alors, pourquoi un serpent? Pourquoi est-ce que... Alors, après, il y a le dragon. Le dragon, qui est une sorte de métamorphose du serpent, mais à l'origine, c'est le serpent. Le serpent, c'est la créature diabolique par excellence. Alors, pourquoi le serpent? Parce que le serpent, il n'a pas de poils, il n'a pas de plumes, il n'a pas de griffes, il n'a pas de pattes, il ne ressemble à rien. Donc, c'est l'image même du chaos. Ça ne ressemble à rien, ça sort de terre, ça rentre dans la terre, c'est une créature des profondeurs. D'un monde sombre, d'un monde nocturne, d'un monde ténébreux, et donc il n'y a rien de plus effrayant comme créature que le serpent. Donc, voilà, c'est un serpent. Et alors, bien sûr, dans la Bible, vous savez que c'est le serpent qui est à l'origine, qui a trompé Adam et Ève, et il dit voilà, donc c'est un serpent, un dragon en l'occurrence, parce qu'un dragon c'est une sorte d'évolution morphologique du serpent, qui retient les eaux de pluie, et la bataille se fait entre le dieu soleil, et le serpent, mais alors entre les deux. Et c'est ça qui nous intéresse, entre les deux, il y a donc, vous voyez ces éclairs, qui constituent l'arme du dieu solaire, grâce à laquelle arme il arrive à abattre le dragon. Ils considèrent, donc ils vont imaginer que c'est un forgeron céleste, un forgeron mythique, qui va forger l'éclair, qui va remettre entre les mains du dieu solaire, grâce auquel il va réussir à vaincre le dragon. Donc entre les deux, il y a cet intermédiaire, qui est l'artisan qui va donner l'arme. L'artisan qui va donner l'arme. C'est-à-dire que le dieu, tout seul, il ne pourra pas s'en sortir, il ne pourra pas le vaincre, il aura besoin de cette arme, l'éclair, qui a été forgé par le forgeron. Donc, dieu de lumière, les monts mythologiques, etc. Et puis entre les deux, un forgeron mythique, un forgeron céleste. Hein? Et donc ça, c'est la structure primitive. Et souvent, l'arme en question qui est représentée, c'est une massue. C'est une massue qui est remue au dieu. Et là, en l'occurrence, pour Félénon, ce sera ça. Il va forger une massue, grâce auquel il va vaincre le monstre. Dans les mythologies scandinaves, vous avez le marteau. Vous connaissez le dieu Thor. Le dieu Thor, donc, qui possède un marteau, qui lui permet donc de vaincre les démons. Alors, j'ai fait un parallèle sur une quinzaine de structures similaires dans différentes civilisations. Où vous avez toujours cette, donc à la page 40 de ce livre, vous avez toujours ces structures, d'un côté, le dieu solaire, de l'autre côté, le dragon qui retient les eaux de pluie, et entre les deux, le forgeron céleste. Par exemple, vous avez le dieu égyptien
Horus, dieu solaire, qui arrive à abattre le dragon Ptah grâce au dieu le dragon Seth grâce au dieu forgeron Ptah. Vous avez dans la mythologie grecque le dieu Zeus qui parvient à abattre Typhon, donc le monstre ophélien, grâce à Héphaïstos, le dieu forgeron. Vous avez dans la tradition indienne, qui est la plus proche de la tradition iranienne, Indra, dieu solaire, qui parvient à avoir raison de Vritra, grâce au dieu forgeron Tvashtri, qui va forger l'arme grâce à laquelle il va réussir à vaincre le démon. Et puis en Iran, vous avez donc la lutte entre Mitra et les dragons. Dans l'Avesta, vous avez Saetahona contre Ajidarok, ça figure dans l'Avesta. Et puis dans Feridun aussi, vous avez Feridun, donc le dieu solaire, qui va vaincre le dragon, donc qui est Zarok, qui est une figure humaine. Parce que là, c'est le mythe primitif, mais dans le champ Nambé, ils ont des figures humaines. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand, alors ça j'ai oublié de le préciser, quand Feridun parvient à vaincre Zarok, l'Iran redevient prospère. La terre de l'Iran redevient prospère. La terre de l'Iran se remet à verdir, à fleurir. C'est-à-dire que sous le règne de Zarok, le pays était atteint pendant 1000 ans de sécheresse. Donc avec l'arrivée de Feridun, la prise du pouvoir par Feridun, l'Iran redevient prospère et l'Iran se met à renaître. Donc c'est en relation avec des phénomènes météorologiques aussi. Mais ce qui se passe dans le Shornomé, c'est qu'on n'a rien au milieu. On a Feridun, on a Zarok, mais il n'y a pas de forgeron qui va forger l'arme pour Feridun. Là, il est zappé, cette figure-là. Et on donne à, comme vous voyez, à Corvée, on donne une autre fonction, qui est une fonction révolutionnaire. Alors son rôle, c'est plus de forger l'arme, pour que il aurait dû normalement forger la masse, la massue, le donner à Feridun pour qu'il abatte sa roche. Ça, c'était la logique. Mais on avait autre chose. On a travesti un peu ces structures mythiques. Donc, là, encore une fois, je me répète. Le dieu solaire, une fois qu'il a vaincu le dragon, la pluie tombe, grâce à l'aide du dieu forgeron, la terre renaît. Et donc, on a ce trio qui fonctionne depuis très longtemps, depuis des siècles et siècles. Mais quand ça arrive au champ nommé, la structure iranienne, on fait autre chose. Donc on change le sens de l'histoire. Là, donc la terre redevient prospère, voilà. Ça, c'est Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans le champ nommé, il est dit que Feridun convoque des forgerons. On ne sait pas qui c'est, des forgerons anonymes. Il demande à une équipe de forgerons de venir et dit, voilà, je vais vous faire un dessin et vous allez exécuter ce que je vais vous demander. Donc, ce n'est pas le forgeron qui le fait, c'est Feridun qui prend la place du forgeron. Et sur le sol, donc sur le sable, il dessine la forme d'une massue, Gorzegovsar, une massue à tête de bœuf. Et il demande à les forgerons de construire cette massue. Donc, c'est lui qui prend l'initiative et cette structure centrale disparaît. Donc il ne reste plus que Feridun et Zarok. Et les forgerons ne sont plus que des exécutants. Et à Corvée, on donne le rôle révolutionnaire. C'est-à-dire que Corvée, ça va être celui qui va soulever le peuple contre le tyran. Donc, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que quand le peuple va retrouver Feridun, ils reconnaissent en lui le porteur de Fal. Je vous ai parlé du Fal tout à l'heure, la grâce divine. C'est-à-dire quand le peuple va chercher Feridun, dire voilà, si on veut que toi, tu sois notre roi, on va te suivre, on va renverser Zarok, quand il voit Feridun, il voit en lui le Fal, la grâce divine. Alors on ne sait pas comment, mais bon, voilà, il devait rayonner ou quelque chose comme ça, et c'est ça qui fait la différence. Et donc dans mon étude, c'est ça que je démontrais, que ce sont ceux qui possèdent la fable divine, c'est-à-dire les générations des rois qui se succèdent, ce sont ceux-là et ceux-là seuls qui doivent changer le cours de l'Iran. Donc il ne peut pas y avoir ici de forgeron. Il ne peut pas y avoir un artisan
d'une caste inférieure. Il faut que ce soit le roi et le roi seul qui entreprennent cette démarche d'abattre le dragon. Est-ce que c'est clair pour vous? Hein? Il ne peut pas y avoir d'artisan entre les deux. Donc l'artisan mythique des origines, on va le zapper, il va être celui qui va rameuter le peuple pour venir renverser Zarok. Est-ce que c'est clair pour vous? Hein? Il y a une manipulation, il y a une manipulation mythologique pour justifier une idéologie royale. Un artisan n'a pas sa place dans ce schéma ancien, dans ce schéma cosmogonique. L'artisan n'a pas à venir apporter donc la massue au roi, approcher la massue. C'est le roi lui-même qui va passer la commande et qui va avoir sa massue, qui va intervenir directement. Par contre, le forgeron, voilà, donc son rôle, ça va venir là, ça va être de rameuter le peuple et apporter une légitimité au roi. Alors, donc quand le roi, il monte sur le trône, alors je ne sais pas, est-ce que, alors, j'ai perdu le timing, est-ce qu'on est bon au niveau des détails? Quand le roi monte sur le trône, il va faire une piqûre de rappel. Vous vous souvenez de Jamshid, qui avait établi les catégories, les classes, donc les systèmes des classes. Zarok monte sur le trône pour dire, attention, c'est très bien, vous avez fait la révolution, vous avez renversé Zarok, mais il ne faut pas le refaire tout le temps. Une fois c'est bon, mais après, donc chacun retourne à sa place. Et voici ce qui est décrit dans Shornamé. Il s'assit sur le trône d'or de Zarok, il renversa les mauvais symboles de son pouvoir, il ordonna que d'en haut de la porte, on proclama ses paroles au peuple. Vous tous, pleins de gloire, déclarés de sagesse, il ne faut pas que vous vous teniez sous les armes. Attention, ne faites pas le boulot des militaires. Il ne faut pas que vous cherchiez une même gloire et une même renommée. Il ne faut pas que l'armée et les artisans cherchent une distinction de la même espèce. L'armée et les artisans, attention, il ne faut pas se mélanger. L'un doit travailler, les autres doivent combattre. Chacun a un devoir qui lui est propre, l'un entreprend l'œuvre de l'autre, sinon le monde se remplit de désordre. Pour que ce ne soit pas le chaos, pour que le monde ne se remplisse pas de désordre, il ne faut pas que les artisans fassent le boulot des militaires, il ne faut pas que les militaires fassent le boulot des prêtres, ainsi de suite. Et alors, là où c'est intéressant, j'ai lu le Shornamé jusqu'au bout, et dans un des tout derniers chapitres, j'ai trouvé un passage qui est très intéressant. Il est question, donc, alors, les tout premiers, il y a les Pistoniens, après les Achéoniens, après donc les Lépartes, etc. Il y a la dernière, si c'est les Sassanides, pour le dernier chapitre du Shornamé. Et il est question du roi Khasraw-Nushin-Lavon, donc un roi sassanide, et donc qui était en guerre contre le pays de Rome, donc les éternels rivaux. Et alors, il est en campagne et il n'avait plus d'argent pour payer les troupes. Il s'arrête à côté d'un village. Alors, il dit, comment je vais faire? Il faut payer les troupes, il faut continuer la guerre. Et puis, son ministre, qui s'appelait Bozogmer, il dit, c'est très simple, il suffit de demander aux gens du village de vous prêter de l'argent et après, vous rembourserez, comme ça, vous pourrez payer vos troupes. Et, pardon? Oui. Alors, on envoie donc Bozogmer, il va passer une annonce, il dit, voilà, donc Sa Majesté, Nushin-Lavon est là, il a besoin de payer ses troupes, est-ce que quelqu'un peut lui payer une telle somme d'argent? Et il se trouve un bottier, donc un artisan, un bottier qui était très riche, il dit, moi je peux aider le roi, on fait apporter les balances, et donc pièces d'or, pièces d'argent, il paye tout ce qu'il faut payer, on met sur le dos des chameaux. Et au moment où Bozogmer est en train de partir avec toutes ces sommes, il dit, monsieur le ministre, j'ai une requête à vous faire. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà, j'ai une prière à faire au roi des rois, j'ai un fils qui a beaucoup de talent, qui est cultivé, et j'aimerais bien qu'il fasse partie des scribes de sa majesté. C'est-à-dire les scribes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de l'administration. Et ça, c'est la première case. Il y a les Mobades, donc je vais utiliser, il y a les Énarques, il y a les Intelos, donc ça se passe à ce niveau-là. Il dit, j'aimerais, si c'est possible, que le roi accepte qu'il monte d'un cran. Alors, Bozogmer, il dit, d'accord, je reparle au roi, il va au roi, donc on apporte les chameaux avec toute la somme pour payer les troupes, et Bozogmer, il dit, voilà, donc l'artisan qui vous a prêté cet argent, il a cette faveur à vous demander. Et donc, Khasraw-Nushin-Lavon entre en colère, et il dit, jamais de la vie, tant que je serai le roi d'Iran, je ne permettrai qu'un citoyen passe d'une caste à une autre. Et donc il ordonne aussitôt qu'on lui ramène son argent, et dans le Shornamé, il dit que le cœur du bottier a été rempli de confusion et de tristesse. Voilà. Alors, ce que
c'est une petite partie, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment une petite partie du travail, mais ce qui est intéressant c'est de retenir, c'est que la légitimité des classes sociales vient de quelque chose qui n'est pas sensible, qui n'est pas préhensible. C'est le fa. Le fa revient souvent, c'est la grâce. Les classes supérieures ont le fa, après les militaires ont leur fa, etc. Le fa, il est représenté, alors j'ai fait un dessin, mais vous connaissez, je pense, tous ce symbole, qui est le fa lavara, qui est l'Esprit Saint. C'est une représentation de l'esprit, comme bon, dans la religion chrétienne, il y a les saints, nous on a le fa lavara, l'Esprit Saint, et qui représente la grâce divine. Et donc c'est ce qui justifie un statut, c'est ce qui justifie un rang. Et ça se transmet, voilà, ça ne vient pas du talent, ça ne vient pas des efforts d'une personne, ça ne vient pas du travail, c'est quelque chose qui se transmet, qui a une origine indéfinie, qui vient des sphères supérieures. Et je me souviens que, d'ailleurs, quand j'étais au lycée Razi, je faisais partie de la chorale, et puis vous avez appris une chanson à l'occasion des 2500 ans de l'Empire, ou qui disait « Doni tofare yazdon ». C'était une chanson qu'il fallait chanter à cette occasion-là, peut-être couramment. « Doni tofare yazdon »« Boshad zemeh veizad berui rad bemon arone tarteto » Tu possèdes l'aura divine. Tu possèdes l'aura divine et grâce à cette aura, dont ton règne sur nous est éternel. Donc c'est la relation, c'est cette relation avec les sphères supérieures qui détermine donc la structure sociale du pays. Voilà, et donc tout ça pour dire que la tentation est très grande pour les êtres humains que nous sommes de trouver une origine surnaturelle aux différences de classe. C'est-à-dire que voilà, ça vient d'en haut, et à partir du moment où ça vient d'en haut, ça ne peut pas se discuter. À partir du moment où on considère que Falidoun avait le phare divin, elle avait la grâce divine, ça suffit. On n'a pas besoin d'autres explications, et tous ceux qui viendront après, donc ses descendants, auront aussi forcément l'aura divine. Et à cela, je suis tenté, donc malgré toute l'admiration et la vénération que j'ai pour la poésie de Feld aussi, de souscrire à la pensée d'Omar Khayyam, pour ce qui est de la pensée, parce que Feld aussi, moi j'adore Feld aussi, je l'ai traduit, mais pour ce qui est de la pensée, souscrire plutôt à la philosophie d'Omar Khayyam de Nishapur, quand il annonce dans ses quatrains que nous sommes rien, nous sommes venus de rien et nous ne retournons à rien. Voilà, donc c'était la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Ah, ça c'est Ariman qui revient. Je serai à votre disposition tout à l'heure. Donc j'ai apporté quelques exemplaires si vous voulez les acquérir, que je peux dédicacer. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je suis à votre disposition pour répondre à votre question si j'y parviens. Nous avons le temps pour questions-réponses. Merci pour votre exposé, c'était très intéressant. Et la question qui se pose, c'est que je veux savoir où est exactement la place de la dynastie de Kiani ou Kianian. Là, vous n'avez pas cité là-dessus, donc j'aimerais bien avoir. Alors, normalement, c'est bien tout de suite après les Pichtaliens. Ah oui. Après après les Pichtoli, et donc on considère beaucoup que c'était une dynastie légendaire. Alors dans le Shornum, on rattrache au nom de Kove, mais c'est autre chose, et une des interprétations du nom de Kioni, c'est noble. Je pense que, on a essayé de raccrocher l'origine des Kiani au nom de Kove, mais ça n'a rien à voir. Que je retrouve. Alors, donc, ce serait une dynastie légendaire, serait constituée la plus ancienne organisation monarchique chez les Aryens après leur émigration dans l'Iran oriental. Bon, ce serait été une. Monarchique, et leur généalogie, alors la réponse précise à votre question, interviendrait tout de suite après celle des Pichtoliens, après Gachos, donc qui est le dernier roi des Pichtoliens, à qui succédera le premier roi Kéonide,
Kavikavota, qui est robot. Voilà, donc le premier roi Kali. Mais on considère que c'est d'origine mythique. Et alors, il est question de Kérobot dans l'Avesta, mais en fait, ce serait un titre qui signifierait surtout, alors soit prêtre, soit prince. Ce serait plutôt un titre. Voilà. Une deuxième question. Madame, vous me permettez. Lorsque vous parlez de la durée de la dynastie de Hirage, Feridun et tout, 700 ans, 1000 ans et 500 ans. Est-ce que, enfin, la question est suivante. Est-ce que la durée de l'année dont vous venez de citer, c'est exactement les mêmes années qu'on voit? Parce que c'est 365 jours et 1000 ans et 700 ans, ça fait quand même, ce sont des chiffres astronomiques pour un individu. Mais en même temps, vous êtes entre le mythe et la légende, donc c'est forcément, comme vous dites, c'est pas forcément les mêmes repères. Les premiers rois, donc, ils descendent, on dirait quelque part, donc ce sont les premiers mortels, mais ils sont pas loin des immortels non plus. Ils font la transition entre les immortels et ceux qui viendront après, les mortels. Donc je ne pense pas que ce soit les mêmes années que nous. Voilà. Donc bien sûr, Zarok, c'est celui qui dure le plus longtemps. Mais bon, il y a eu beaucoup de changements, parce que c'est le champ nommé, comme vous savez, date des Sassanides. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'interventions. Et donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tous ces travestissements des structures mythologiques datent des Sassanides. Donc c'était pour justifier une idéologie royale à l'origine de ça. Alors je serais incapable de vous dire, d'un point de vue calendaire, tout ça, en termes de l'année, qu'est-ce que ça représente. D'accord. Adam. J'aimerais dire que, d'après ce que j'ai entendu, Nowruz vient du temps de Jamshid. Oui, c'est ce qui figure dans le Coran. Mais il aurait institué la fête du Nowruz. Alors, je ne sais pas au moment où il est monté sur le trône, mais ça date de Jamshid. Donc, vous avez bien lu votre Coran. Pardon. Monsieur, oui, vous avez une question. Non, moi, je dis à la dame, 2500 avant Jésus-Christ. Pour Nowruz. Allez-y. Monsieur. Merci beaucoup pour votre question. C'était très clair, très instructif. Merci. J'ai eu beaucoup de questions. Enfin, il y a beaucoup de questions qui m'ont venu à l'esprit, mais j'essaye de résumer, en poser quelques-unes. Tout d'abord, par rapport à ce que vous avez dit par rapport au manque de caste, donc dans l'imaginaire donc, primitif ou l'imaginaire de l'Avesta et Charlemagne, il y a des travaux disons, dans le mouvement de structuralisme, Georges Dumézil notamment, qui a travaillé pas mal dans la fonte, disons, un travail de comparaison. Les structures des Indo-Européens. Il en parle de trois classes, trois, et pas quatre. Alors, là, je voulais avoir votre sentiment. Ça revient un peu à la même chose, puisque vous avez les prêtres, vous avez les guerriers et les producteurs. Ça dépend comment... C'est-à-dire que la troisième catégorie peut être divisée en deux, mais ça revient à peu près au même. Effectivement, vous avez raison, les sociétés indo-européennes, vous retrouvez ça chez les Romains, et puis en France, vous avez le clergé, la noblesse, le tiers-état, donc vous avez aussi ces structures tripartites. Mais oui, en Iran, on a divisé le troisième en deux, mais ça revient à peu près au même. Donc c'est prêtre, guerrier, producteur. La troisième et la catégorie sont des producteurs. Alors peut-être qu'il y a cette classification parce que c'était des propriétaires. C'était des propriétaires terriens. C'est venu d'une famille de Dehran, donc c'était des propriétaires terriens qui avaient un statut plus aisé que ceux qui travaillaient, que les artisans. Donc, c'était un niveau au-dessus. Donc, ceux qui travaillaient, les artisans n'avaient rien. Donc, ils n'avaient que leurs mains. Ils n'avaient que leurs mains pour travailler, pour forger, pour travailler le bois, la pierre. Et de là vient peut-être cette classification. Qui rejoint, encore une fois, là, j'insiste là-dessus, le fait qu'on ne pouvait pas concevoir que ce soit un artisan qui soit placé entre le roi et le tyran. Donc, il ne pouvait pas être là. Et ce que explique dans ma thèse, c'est que l'idéologie monarchique sassanide, puisque c'est le champ nommé de Feldossi, c'est celui de l'époque sassanide,
avait bien fixé les choses, donc sur le plan idéologique, voilà, on ne peut pas mélanger les artisans et les catégories russes. Donc il ne pouvait pas avoir sa place entre le roi et le tyran. Il ne pouvait pas être celui qui allait aider le roi. Puis-je vous ai une autre question ? Oui, laissez-y. Oui, vous avez parlé justement de Forgeron qui avait une place entre le fondeur et l'alchimiste. Oui. Le médium, la classe, enfin, médium, classe moyenne. On voit en fait, d'après les travaux de sociologues, c'est toujours la classe moyenne qui fait la révolution. Et finalement, on retrouve ce schéma de médium, le créateur, enfin, la classe moyenne. Il était peut-être, faisait peut-être partie de la classe moyenne aussi de son époque. Qui pouvait porter maintenant le drapeau et le mouvement et Oui, c'est intéressant ce que vous dites des classes moyennes qui font la révolution. Alors j'ai tenté une interprétation de disons peut-être qu'il y avait une véritable histoire, peut-être qu'il y avait un révolutionnaire, une figure. Parce que bon, c'est quand même étonnant, dans les premiers chapitres du Chardonnay, bon, c'est le début de l'histoire, on dit qu'il va dans le bazar. Quand même surprenant, le bazar, les premiers siècles de la naissance de l'Iran, du monde. Donc il y avait déjà des sociétés qui étaient structurées. Il devait y avoir des corporations métiers, par exemple, des corporations métiers. Et peut-être que effectivement, c'est difficile aussi de chercher de ce côté-là, peut-être qu'il y avait ce qu'on appelle des SENF, des corporations qui s'organisaient, qui, en plus, donc, dans la légende, il est dit que c'était un forgeron d'Espagne. Et c'était de là où partaient les armées. Et l'Espagne, c'est-à-dire ses parents. Là où les armées étaient formées, et peut-être qu'il y avait des corporations métiers qui s'organisaient entre eux, parce que bon, en Iran, il y a la révolution par le bazar aussi. Donc ils étaient à l'origine de la révolution urbaine. Alors peut-être effectivement que Kobe était issu de ces classes moyennes dont vous parlez, donc des commerçants, des artisans qui étaient organisés entre eux en corporation et qui avaient une force politique. Il y a des travaux des anthropologues, notamment Philippe Escola, qui fait un travail magnifique, qui en fait montre comment les civilisations, par rapport à la distinction de l'identification et différenciation, et l'intériorité et l'extériorité, il arrive en fait à faire quatre catégories, quatre classes, animisme, totémisme, naturalisme et analogique, et il nous situe dans, disons, la classe des analogiques. Et on voit d'ailleurs très bien ça, c'est-à-dire que là, effectivement, le serpent, qui, c'est une analogie par rapport, certainement parce qu'il y a la langue qui sort, qui, en fait, c'est l'éclair qui sort et la langue du serpent qui sort. Bah, bref, c'est des analogies par rapport aux choses. Et c'est cette place de démiurge, parce que c'est quand même, il se mêle aux affaires divines, Oui, il ne peut pas être démiurge, on ne peut pas lui donner ce rôle. Démiurge, on ne peut pas lui donner ce rôle. Mais moi, je n'ai pas utilisé la méthode de l'anthropologie, j'ai utilisé celle de la mythologie comparée. Oui. Donc là, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est voir, vous prenez une douzaine de structures mythologiques, la Grèce, donc vous prenez les mythologies germaniques, nordiques, égyptiennes, cananéenne, phénicienne, et c'est la même structure. Vous avez le dieu solaire, vous avez le démon qui retient les eaux, entre les deux, l'artisan. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'avec ça, vous remplissez les trous qui figurent dans certaines traditions et certaines littératures. Parce que la littérature, ce type de littérature, bah, c'est fait pour conforter l'idéologie. Mais quand vous mettez en parallèle les autres structures mythologiques, vous dites, tiens, il y a un trou, qu'est-ce qui s'est passé là ? Donc ça, ça permet de resituer un peu l'évolution et la généalogie du phénomène. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est dire d'où on est parti, où on est arrivé et comment ça a pu être possible. Comment il a pu y avoir ce travestissement. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au cosmos et l'imaginaire de l'homme de l'antique et l'ancien qui, en fait, voyait le monde comme le cosmos et l'ordre cosmique et la classe de chacun ou ce que vous parlez, oui. En fait, des classes, etc. Oui. D'ailleurs, je compare pas mal au corps humain, en fait, que chaque être, chaque chose a sa place comme un organe de ce corps. Et là, en fait, je promettais justement aussi que l'avènement de la technique et on peut dire aussi de la modernité, finalement, hein. Donc, se mêler aux choses divines oui. et
et la création. Et je trouvais ça assez dommage que Ferdowsi a supprimé cette classe. C'est l'avènement de la modernité. Il a fait beaucoup. Il a donné au roi. C'est vrai. Et puis il a fait beaucoup d'autres choses. Il a sauvé notre identité. Il a sauvé notre langue. Et donc c'est très énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une dernière question. Excusez-moi. Vous n'avez pas cité justement de fils de Feridun qui est Iraj, dont sa part, il était en Iran. Oui. Donc, il est où? Il est dans cette histoire-là. Il est dans. Il finit par être tué par ses frères. Ah. Voilà. Ça vous l'avez voilà. Passé. Mais je ne me suis pas étendu là-dessus puisque pour moi ça s'est arrêté. Donc ça s'est arrêté à Feridun. Après, donc, c'est les droits. Après, on entre dans la période historique, les Kayanis. Donc, voilà. Ouais. Après, c'est les guerres interminables entre l'Iran et le Toulon, et puis plus tard entre l'Iran et puis le pays d'Europe, donc jusqu'à l'invasion arabe. Et Salmatoul? Pardon? Salmatoul, les deux frères, oui. Les deux autres frères. Alors, je ne sais plus. Hein, de, ah. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que le délage chez Kovioni, lui, il continue jusqu'à la fin. C'est-à-dire le délage chez Kovioni, le drapeau national, il continue, son histoire continue jusqu'à l'invasion arabe, jusqu'au tout dernier chapitre du livre des rois, il est présent. Et c'est avec l'invasion arabe, donc on le perd, il est mis en pièces, il était devenu énorme. Parce qu'à chaque fois, les rois successifs rajoutaient des étoffes précieuses, des bijoux, il fallait 12-15 personnes pour le porter. On le portait au devant des armées, et c'était un gage de victoire. Ça apportait la chance, ça apportait la grâce divine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.